Moi? C'était quoi, mais c'est pas à toi que je parle, Ernest, c'est au coronavirus. Tiens! Rebecca? J'ai rien fait, maman! Je range ma chambre! Écoute, Rebecca, je vais te donner la bonne méthode pour combattre efficacement le coronavirus. Afin de te protéger de la maladie, toi et tes proches, il y a quelques gestes simples à respecter. Ah, les gestes barrières! Ouais, je sais, papa et maman m'en ont parlé et la maîtresse aussi. Quoi? T'as vraiment cru que je combattais sérieusement le virus avec un sabre laser? Je vous explique les gestes barrières pour vaincre le coronavirus. Savais-tu que les virus se propagent quand on se touche? Bah oui, je sais. Du coup, pour garder les mains sans virus, tu dois te les laver le plus souvent possible avec de l'eau et aussi du savon pendant 30 secondes. Si tu n'as pas d'eau, tu peux te laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Du coup, tu comprends pourquoi on ne serre pas la main aux copains et copines et pas de bisous non plus. Tu peux dire bonjour comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Et retenez bien pour elle. Évitez d'envoyer autour de toi des gouttelettes de salive qui pourraient contenir du virus. Il faut se tenir à distance les uns des autres. Oups, pardon. Tu pourrais m'attendre quand même. T'as oublié qu'on était un duo? Ok, et tous ensemble. Pour éviter d'envoyer des microbes si tu tousses ou éternues, il faut toujours le faire dans ton coude. Comme ça. Et quand tu te mouches, utilise toujours des mouchoirs jetables. Que tu jettes dans la poubelle. Et n'oublie pas de te laver les mains juste après. Si on veut gagner la bataille contre le coronavirus, c'est ensemble qu'on y arrivera.